Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette troisième journée de la Digital et Data Week. Avant de commencer, et pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous rappelle le concept. Depuis le début de la semaine, nous vous présentons chaque jour une thématique précise pendant 45 minutes et sous forme de JT. Tout au long de ce JT, vous avez accès à un chat qui vous permet de poser l'ensemble de vos questions, alors n'hésitez pas. Démarrons sans plus attendre sur la thématique du jour, à savoir la data. Pour certains, la data est considérée comme l'or noir de l'économie numérique. Pour d'autres, cela n'a rien de comparable car la production de nouvelles données ne cesse de croître et celles-ci sont inépuisables et bien plus accessibles. Pour mieux comprendre tous les enjeux autour de la data, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ludovic Favarette. Bonjour Ludovic. Bonjour Lucie. Ainsi que Renaud Regnat. Bonjour Renaud. Bonjour Lucie. Donc pour introduire ce sujet sur la data, je vous propose de regarder une vidéo de Géraldine Morvan, directrice de la transformation et de la qualité au sein de la Banque Populaire Rive de Paris. Bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième journée de la Digital et Data Week. Aujourd'hui, on va vous parler data. Alors, la data n'est pas un sujet nouveau pour la banque, hein, et pour cause, le secteur bancaire détient le plus gros volume de données clients après les réseaux sociaux. C'est donc une opportunité énorme dont nous devons tirer parti. Quand on parle data, on parle bien entendu de l'ensemble des informations que nous détenons sur nos clients, identité, domiciliation, revenus, patrimoine, opérations de paiement et bien d'autres données encore. Mais on parle aussi de toutes les informations que nous pouvons capter quand nos clients naviguent sur nos plateformes. Par exemple, l'appli Banque Pop ou encore le site internet de la banque. Quand on sait que la Banque Populaire Rive de Paris compte environ 700 000 clients, je vous laisse imaginer le volume de données dont nous disposons. Si la data n'est pas un sujet nouveau, en revanche, les clients et les usages ont changé. Les clients sont devenus plus exigeants, c'est-à-dire qu'ils sont vigilants quant au traitement éthique et à l'utilisation de leurs données personnelles. Ils sont sensibles à la relation personnalisée que nous entretenons avec eux. Et enfin, ils attendent que nous anticipions leurs besoins. Alors, on le sait, le secteur bancaire, c'est un secteur d'activité qui est assez standardisé. Aussi, il est important que nous puissions adopter une démarche différenciante et irréprochable pour répondre au mieux aux exigences de nos clients. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que toutes les entreprises, y compris celles du groupe BPCE, ont dû s'adapter et faire de la data un véritable sujet stratégique au sein de leur organisation. Donc lors de ce JT, les intervenants vont aborder trois sujets. La manière dont BPCESA a amorcé sa transformation data. Comment est-ce que la Banque Populaire Rive de Paris s'intègre dans cette transformation et les enjeux auxquels elle souhaite répondre. Et enfin, un focus sur LinkedIn, qui est le réseau social professionnel le plus grand. Et donc avec LinkedIn qui a su enrichir son offre et permettre à ses clients d'exploiter en temps réel et de façon rapide des données qui circulent sur leur plateforme. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon JT. Renaud, Ludovic, comme nous venons de l'entendre dans la vidéo de Géraldine, la data n'est finalement pas un sujet nouveau pour la banque. Pourtant, elle nous évoque une transformation data au niveau du groupe BPCE, mais aussi des établissements tels que la Banque Populaire Rive de Paris. Pourriez-vous nous décrire vos missions respectives et surtout nous évoquer pourquoi cette transformation ? Bien, tout d'abord, Lucie, merci pour cette belle introduction qui pose déjà quelques bases très intéressantes sur la thématique de la data. J'ai beaucoup aimé notamment la notion d'abondance de la donnée. Ensuite, dans la vidéo de Géraldine, elle nous évoquait un autre point qui est le niveau d'exigence des clients. Effectivement, nous sommes nous-mêmes clients par ailleurs et on ne peut que confirmer le fait que nous sommes très exigeants, tant sur la qualité des produits que nous consommons, par exemple, que sur la qualité des services que l'on attend de la part des organismes avec lesquels on travaille. Ce niveau d'exigence, finalement, toutes les entreprises peuvent l'aborder de différentes manières, en fonction de certains leviers. Notamment, un des leviers, la création de valeur grâce à l'exploitation des données que nous avons à disposition. Pour pouvoir créer cette valeur, et quand on fait un petit peu le tour, on s'aperçoit que les actions mises en œuvre tournent souvent autour de trois thématiques. Le réglementaire, pour poser un cadre. Le business, pour être dans une relation gagnant-gagnant. Si on crée de la valeur pour nos clients, il faut quelque part qu'on soit également capable d'avoir un retour sur investissement, et tout simplement pour continuer à faire vivre l'entreprise. Et le volet efficacité opérationnelle.
quand on parle de création de valeur pour le client final, on parle également de création de valeur pour le collaborateur. Une fois qu'on a dit ça, on est forcément, et on l'aura tous compris, dans une notion de transversalité. On comprend également que la data est finalement stratégique. C'est pour ça qu'au sein des entreprises, il est important d'avoir une gouvernance dédiée permettant de traiter cette thématique. Pour la Banque Populaire Rive de Paris, depuis la fin d'année dernière, nous avons mis en place cette gouvernance. Ça me permet de faire une belle transition avec mes missions, puisque tu me posais la question. Si je dois résumer mes missions, je les résumerai en 5 points. Le premier point, être à l'écoute des métiers en local pour identifier leurs besoins et être capable de trouver des cas d'usage permettant de répondre à ces besoins grâce à la création de valeur de la data qu'on évoquait tout à l'heure. Deuxième point, ce sera de pouvoir partager l'ensemble des informations qui nous arrivent du groupe. Et Ludovic est là pour en attester, on a énormément d'informations qui arrivent de la part de BPCE. Troisième point, coordonner des projets dits emblématiques ou structurants. Et je résumerai les deux derniers points sur un volet plutôt animation. Animation de la gouvernance que je vous ai décrite tout à l'heure, et ça se concrétise finalement par la mise en place d'un comité data, dans lequel on va retrouver un certain nombre de directions, pour ne pas dire toutes les directions de la banque, et l'animation d'un dispositif d'acculturation pour sensibiliser les collaborateurs à cette thématique qu'est la data. Enfin, pour résumer, si je dois faire une phrase synthétique sur mes missions, je dirais que je me vois comme un coordinateur plus-plus de la filière data au sein de la Banque Populaire Rive de Paris, et la notion de plus-plus intervient simplement par le fait que je suis effectivement en amont, je coordonne, mais je retrousse souvent les manches pour pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Donc merci Renaud pour la description de tes missions. Ludovic, est-ce que tu peux faire de même également sur tes missions au sein du groupe BPCE ? Bien sûr, je vais peut-être commencer par expliquer l'organisation au niveau du groupe BPCE. Donc en 2016, nous avons lancé la démarche de transformation digitale au niveau du groupe, qui a été enrichie en juin 2019 par un volet transformation data. Et un petit peu plus récemment, en janvier 2021, par un volet innovation. Je travaille désormais pour une direction innovation, digital et data. Mais je crois que nous avons une petite vidéo qui, à une minute, expliquera cela bien mieux que moi. Tout à fait. On passe la vidéo, merci. Pour revenir à mes missions, je dirais qu'elles sont très semblables à celles d'un conseiller de clientèle. Je dois d'abord bien comprendre quels sont les besoins de mes clients. Une fois que j'ai compris leurs besoins sur le périmètre data, l'objectif est d'arriver à trouver les bons produits et les bons services pour répondre à ces besoins. Et in fine, comme dans un réseau, c'est de m'assurer que ces produits et ces services correspondent aux besoins de mes clients et répondent à leur satisfaction. Et puis, j'ai bien entendu une mission en parallèle de Renault, qui est un coordinateur plus-plus, et moi je me qualifierais de facilitateur de l'ensemble des petits Renault dans les banques populaires et les caisses d'épargne. Très bien, merci. Donc Ludovic, Renault, vous nous avez expliqué donc vos missions et pourquoi il était nécessaire que vos organisations respectives se transforment. Pourriez-vous maintenant nous expliquer davantage les enjeux auxquels votre organisation doit répondre ? Les enjeux sont assez simples au final. Je les résume souvent au travers d'une phrase. Notre enjeu au travers de la donnée, c'est d'arriver à valoriser la donnée au service des collaborateurs et au bénéfice des clients. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on a trois grands axes, comme Renaud les a expliqués tout à l'heure. Comment améliorer notre efficacité opérationnelle ? Comment optimiser la gestion de nos risques ? Comment améliorer notre business et créer de la valeur ? Et on pourrait presque en rajouter un quatrième, qui est celui de l'amélioration de la satisfaction client et collaborateur. Prenons trois exemples. Celui du réglementaire
et de la gestion des risques. Notre collègue Bibi Ndiaye, qui travaille au secrétariat général à BPCE, est en train de travailler sur un projet qui permet, grâce à la data, d'optimiser toute la partie de l'ABFT. Vous savez, toutes ces alertes que vous avez à gérer dans le réseau et qui très souvent sont des faux positifs, c'est-à-dire des alertes qui ne se révèlent pas être des alertes pertinentes. Si on arrive avec la data à optimiser la qualité des alertes que vous avez à gérer, c'est du temps qui est libéré et de l'efficacité au service du commercial. Premier exemple. Prenons un deuxième exemple, très concret lui aussi, celui du projet ACDC. ACDC comme acquisition, contrôle des documents clients. Il y a 15 ans, quand on faisait une entrée en relation, nous devions photocopier trois justificatifs. Le justificatif d'identité, de domicile et de revenu. On le photocopiait et on le stockait dans une armoire physique derrière nous. Il y a une dizaine d'années, on a dématérialisé tous ces process. Donc désormais, on récupère les trois documents, on les numérise et on les stocke dans une armoire numérique. Aujourd'hui, on est en capacité de capter les informations sur ces documents de façon à fiabiliser notre SI. Et j'aime beaucoup l'exemple de la prorogation des livrets d'épargne populaire. Tous les ans, en fin d'année, novembre, décembre, nous avons une campagne de prorogation à mener et c'est une charge considérée comme administrative pour nos collègues dans le réseau. Et je comprends, parce qu'ils doivent appeler leurs clients pour récupérer un justificatif. Désormais, on peut demander au client via son application mobile de nous fournir le document, on le numérise, on le contrôle automatiquement et on proroge le LEP automatiquement. Tout ce temps libéré est remis au service du commercial. Et puis le troisième exemple, ce sont les exemples que l'on préfère, ce sont ceux de la valorisation de la donnée pour créer des nouveaux usages business. Anticiper les besoins du client de façon à pouvoir lui proposer le bon produit au bon moment. Et ainsi, être plus efficace dans notre conquête et dans le développement de notre PNB. Merci Ludovic. Et toi Renaud, peux-tu nous dire un peu plus sur le volet Banque Populaire Rive de Paris ? Bien sûr, bien sûr. Alors, tout d'abord, notre organisation au sein de la Banque Populaire Rive de Paris devra nous permettre de répondre, je dirais, à deux enjeux. Le premier, qui se comprend aisément au travers de tout ce que Ludovic vient de dire, c'est le fait de pouvoir s'inscrire pleinement dans la feuille de route du groupe BPCE sur les trois thématiques que sont le réglementaire, l'efficacité opérationnelle et le business. Ludovic a cité quelques exemples et il sera effectivement important de pouvoir déployer l'ensemble des projets, qui nous arriveront du groupe. Le deuxième enjeu auquel nous devons répondre au travers de notre organisation, finalement, c'est le fait d'être en capacité d'identifier et de mettre en œuvre des usages locaux pour répondre soit à des spécificités que nous avons, mais également, parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas forcément et systématiquement la même temporalité sur nos attentes par rapport au groupe. Juste avant de terminer sur ce point, je voulais revenir sur le volet business évoqué par Ludovic, qui est effectivement l'un des plus intéressants. Pour autant, pour être capable de faire un certain nombre de choses sur le business, il sera important et primordial de traiter deux sujets majeurs. La qualité et la complétude des données dans notre système d'information et le volet consentement client, consentement explicite, sans lequel nous ne pourrons plus nous adresser de manière personnalisée à nos clients. Et je crois qu'on a une vidéo à ce sujet. Effectivement, nous avons une vidéo de Catherine Jiquel, téléconseillère à Rive Digital et ambassadrice digitale, qui nous parlera du volet qualité. Bonjour, Catherine Jiquel, téléconseillère à Rive Digital à la Banque Populaire de Paris. Quotidien est d'accompagner nos clients dans la prise en main globale de leur espace Cyber Plus, que ce soit sur ordinateur, iPad ou l'appli mobile. Cet accompagnement peut se faire soit en aiguillant nos clients sur des nouvelles fonctionnalités de leur espace, soit en les dépannant quand ils n'arrivent plus à y accéder. Avant tout, je tiens à rappeler que tous les collaborateurs qui sont en contact direct avec nos clients ont finalement ce positionnement privilégié. Effectivement, le fait d'avoir nos clients en direct permet de réaliser plusieurs actions, très simples sur le papier, mais pourtant très impactantes pour nous en tant que banquiers. Par exemple, c'est une occasion de leur parler des nouveaux parcours self-care. Ces parcours leur permettront de gagner en autonomie et en réactivité, en réalisant eux-mêmes un certain nombre de mises à jour sur leurs données personnelles. Téléphone sécurisé, qui leur permettront d'activer leur SecurePass pour gérer eux-mêmes leurs opérations sensibles, mais aussi l'adresse mail. Mais aussi, une occasion pour nous de les sensibiliser à la notion de opt-in. Marlène vous en parlera.
Pensez à toujours vérifier la qualité et la complétude des informations que vous avez sur vos clients. Ce sont des notions essentielles qui, en plus du consentement, nous permettront de servir notre ambition de proximité et d'hyper-personnalisation vis-à-vis de nos clients. Merci Catherine pour tes conseils. En effet, la complétude et la qualité des données sont essentielles à la relation client. Je vous propose maintenant d'écouter Marlène, qui nous parlera entre autres de l'importance des consentements. Bonjour, Marlène Collard, data analyst au service Parcours Relationnel. La mission principale de l'équipe CRM est de mettre en œuvre les campagnes marketing définies dans le plan d'action commercial de la banque à travers différents canaux. Tout d'abord via les opportunités commerciales mises à disposition de chaque conseiller dans son plan de contact. Puis via les communications email ou SMS directement adressées à nos clients. Et enfin, via les rebonds commerciaux, notamment issus des parcours en ligne, destinés à la banque à distance. Pour diffuser le bon message avec le bon canal, au bon client et au meilleur moment, nous devons exploiter des données de qualité, c'est-à-dire complètes et mises à jour le plus régulièrement possible. La qualité des campagnes repose sur la connaissance client, qui va nous permettre d'affiner les ciblages, de segmenter les clients et de personnaliser nos communications. Au-delà des informations dont nous disposons sur la détention du produit, nous avons besoin de connaître la situation familiale, professionnelle et financière de nos clients. L'opt-in de nos clients est un élément indispensable pour offrir une relation personnalisée et rester en contact avec nos clients. Aujourd'hui, récolter et stocker les coordonnées de nos clients ne nous suffit plus pour les contacter. Le client doit nous donner son accord explicite pour chaque canal de contact. Les clients ont tout intérêt à recevoir nos communications pour se tenir informés des offres commerciales qui leur sont dédiées, mais aussi découvrir les nouvelles fonctionnalités self-care et profiter d'une expérience personnalisée en toute autonomie. Nous devons nous améliorer. Trop peu de nos clients sont opt-in, moins d'un sur cinq à ce jour. Sachez que cette donnée peut être mise à jour directement par le client depuis son espace cyber. Je vous invite donc à vérifier que votre opt-in est activé et incitez vos clients à le devenir dès l'entrée en relation. Donc si je comprends bien, la data s'oriente essentiellement autour des usages avancés permettant de créer de nouveaux services ou de nouveaux business ? Mais c'est exactement ça, Lucie. Tu as tout à fait compris. Les usages avancés de la donnée, c'est vraiment l'avenir pour l'ensemble de nos banques. Par contre, vous entendrez également beaucoup parler de data visualisation, de data viz, de Power BI, c'est-à-dire tous les usages de la donnée qui servent le pilotage. Et c'est très 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 important. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'action commerciale réussie sans bonne solution de pilotage. Donc tous les nouveaux outils que nous lançons, et notamment le déploiement de Power BI, vise à améliorer notre consommation de données en tant qu'utilisateur ou collaborateur dans une banque. Comment j'arrive à passer de X rapports PDF à analyser quand je suis directeur d'agence à une ou deux applications qui contiennent l'essentiel de mes indicateurs pour piloter mon activité. Donc merci Ludovic. Et toi Renaud, donc, peux-tu nous en dire plus ? Bien sûr. Alors moi j'abonde totalement dans tout ce que vient de dire Ludovic. Et pour compléter ce qu'il dit, je dirais même que finalement l'aspect DataViz est la partie émergée de l'iceberg. Partie émergée, un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Pour autant, il n'en demeure pas moins que c'est une brique importante. Importante pour plusieurs raisons. Ludovic l'a très justement expliqué, pas de bonnes actions commerciales sans un bon pilotage. Pour autant, il y a également la notion d'appui à l'expertise des métiers. Donc effectivement, grâce à une bonne data-vise, on sera capable en tant qu'expert métier de raconter une histoire, de justifier un état de fait, etc. Mais il y a également un autre point sur lequel je voulais intervenir, c'était la notion d'outil d'aide à la décision. Grâce à un bon outil de data-vise, on permettra à des managers ou à des collaborateurs, tout simplement, d'identifier des actions concrètes à mettre en place. Donc finalement, on pourrait presque dire que la data-vise doit permettre, in fine, de définir un plan d'action très précis. Pour partager ça avec nous, je vous propose de regarder sans plus attendre la vidéo de Ludovic Gain, directeur d'agence multisite. Bonjour, Ludovic Gain, directeur d'agence multisite, en charge des agences de Cergy Vauréal sur le secteur du Val d'Oise.
évoque un outil simple et facilitateur dans mon quotidien. Concrètement, je suis amené, lors des lancements de semaine, à pouvoir rebalayer un ensemble d'indicateurs. Deux indicateurs. La partie développement du fonds de commerce, à travers Power BI synthèse hebdomadaire, mais également la partie réglementaire qui accompagne ce développement de fonds de commerce, à travers le portail réglementaire. Alors, si je vous donne un exemple concret, le portail réglementaire. Le portail réglementaire va vous apporter une lecture unique de la partie DRC, la partie OCF, QCF, QR, mais également remédiation. Mais va également, lors d'événements spécifiques au cours de l'année, pouvoir être agrémenté d'autres indicateurs. Dernier exemple en date que nous avons tous sur la fin d'année au niveau des agences, la mise à jour du livret d'épargne populaire. Pilotage. En tant que directeur d'agence, je dois être en mesure d'avoir une vision de comment se comporte l'agence sur les différentes thématiques. Simplicité, car ça me permet avec deux portails d'avoir une vision complète de l'activité de l'agence, tant commerciale que réglementaire. Et efficacité, ça me permet moi de gagner du temps au quotidien et de pouvoir relayer les informations auprès des équipes pour être efficace rapidement. Merci Ludovic pour ce partage d'expérience qui confirme vraiment l'intérêt des nouveaux outils liés à la data. Et avant que nous quittions, j'aimerais que l'on aborde le volet accompagnement des collaborateurs. Comment faire pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à tous ces enjeux de la data ? Un très très vaste chantier. J'ai souvent tendance à dire qu'il faut considérer les populations d'une banque ou d'une caisse d'épargne suivant deux populations. 2% des collaborateurs qui sont des experts de la donnée. On les retrouve souvent au marketing, au contrôle de gestion, au risque, un peu à l'audit et à l'IT. Ces équipes, il faut les former avec des formations de très bon niveau, des formations de top gun de la data, certifiantes, labellisantes, qui permettent à nos experts de devenir encore plus experts et en maîtrise de tous les nouveaux sujets que nous avons abordés. Et puis, il reste ces 98% de collaborateurs. Des collaborateurs qui ne travaillent pas avec la data tous les jours, mais qui la créent, qui la collectent, qui la consomment. Ces collaborateurs, ils sont conseillers de clientèle. Ils travaillent sur une plateforme téléphonique. Ils travaillent au back-office, crédit, épargne, monétique. Ils sont IRP, ils sont managers, ils sont managers de managers. Il faut comprendre les besoins et les enjeux de la data pour toutes ces populations et arriver à les acculturer. Les acculturer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire leur expliquer ce qui est important pour eux dans leur métier au quotidien, à savoir sur la donnée. Renaud a parlé tout à l'heure de bien faire du premier coup, de saisir les bonnes données, de réussir à mettre en place des plans d'action de mise en qualité, etc. On a parlé aussi beaucoup d'outils de pilotage et de consommation d'outils de pilotage. En fait, il faut qu'on définisse quels sont les besoins de chaque population et qu'on arrive à leur donner une information qui les fait monter en compétence, en s'appuyant sur des vidéos, des podcasts, des articles de presse, tout un tas de contenus hyper ciblés qui permettent à tous nos collègues d'améliorer leur connaissance des sujets de la data. Voilà ma vision sur la démocratisation et l'acculturation. Merci Ludovic. Renaud, sur la partie acculturation, est-ce qu'il y a des choses prévues ? Bien sûr. Une fois de plus, je suis en total accord avec Ludovic sur ce qu'il vient de dire sur le volet acculturation et accompagnement des collaborateurs. On le comprend bien, le groupe est en train de travailler sur tout un tas de livrables, y compris sur des livrables de formation, et nous nous inscrivons totalement dans ce dispositif. Et pour cause, à titre d'exemple, en fin d'année dernière, nous avons déjà envoyé une première vague d'experts data Banque Populaire Rive de Paris sur de la formation Power BI. Ce dispositif va continuer de s'étaler tout au long de l'année 2021. Sur le volet acculturation, on travaillera, comme je le disais d'ailleurs dans mes missions, sur différentes choses. À titre d'exemple, cet événementiel, Digital and Data Week, est une première brique de ce dispositif d'acculturation qui vise à sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur les enjeux de la data. Mais en parallèle, on pourra travailler sur tout un tas d'autres supports personnalisés. Et enfin, je voulais finir sur un point, et là je vais m'adresser à l'ensemble des collaborateurs du siège ou du réseau. Vous allez tous recevoir, d'ici quelques jours, quelques semaines, un questionnaire qui ne vous prendra pas plus de 3 minutes pour y répondre. Ce questionnaire, c'est le baromètre de la data. Il est 100% anonyme et en fait, il me permettra tout simplement
d'identifier le niveau de maturité de l'ensemble des collaborateurs sur la thématique de la data pour être capable derrière d'apporter un contenu personnalisé et surtout un contenu qui donne du sens à l'ensemble de nos actions. Donc merci Renaud et Ludovic pour toutes ces informations riches et concrètes qui, je l'espère, ont permis d'éclairer l'ensemble de nos téléspectateurs sur les enjeux de la data. Laissons maintenant place à notre deuxième thématique sur la data LinkedIn. Jean, bonjour. Alors, quand nous parlons data dans la banque, nous pensons naturellement à l'ensemble des données que nous récoltons auprès de nos clients ou de prospects lors de leur passage en agence ou en rendez-vous téléphonique, mais aussi aux données que nous pouvons collecter sur leur navigation, sur nos espaces. Mais finalement, les données intéressantes, structurantes, fraîches sur nos clients ou prospects, nous pouvons également les trouver ailleurs, comme notamment sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, et travaillant pour le premier réseau social professionnel, pouvez-vous nous donner votre regard sur ce sujet ? Oui, bonjour Lucie et bonjour à tous. Alors effectivement, comme vous l'évoquiez à juste titre, on peut trouver des données intéressantes et structurantes sur les réseaux sociaux. Mais un élément important qui est particulièrement à souligner, c'est que ce sont des données qui ont un niveau de fraîcheur qui est assimilable au temps réel. Donc, en parlant de LinkedIn, justement, qui est le premier réseau social professionnel, comme vous venez de le souligner, Lucie, je vais vous donner un ordre de grandeur. En termes de membres qui composent ce réseau en France, il y en a aujourd'hui 21 millions en France. Ça représente à peu près 60%, même 70% de la population active française. Et en Europe, ce chiffre, il est de 160 millions. Donc, ce qui est important de souligner avec ces chiffres-là, c'est finalement l'intérêt et la richesse de ce réseau, c'est que chacun des utilisateurs va pouvoir créer son propre profil. Donc, il va pouvoir renseigner son parcours professionnel, son poste actuel, ses expériences passées, ses centres d'intérêt, les entreprises avec lesquelles il est rattaché. Il y a aussi cette dimension intéressante de connexion, où finalement, c'est le membre LinkedIn qui va se connecter avec d'autres membres. Et donc, pour créer des communautés, pour créer parfois même des groupes. Et potentiellement, il y a aussi cette troisième dimension qui est extrêmement intéressante avec ce réseau social, qui n'est pas simplement une CV tech, c'est qu'on va pouvoir engager du contenu et engager sur le contenu qui existe d'autres membres, que ce soit sur la publication d'un article, que ce soit sur le partage de contenu qu'on a vu passer qui nous a semblé pertinent, ou sur le fait de pouvoir liker ou commenter du contenu qui nous a plu. Donc finalement, en toute objectivité, ce qu'on peut conclure sur ce premier état des lieux, c'est que LinkedIn pour moi est une véritable mine d'or. Une mine d'or, pourquoi ? Parce que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui vont mettre à jour leur profil quand ils vont changer de poste, quand ils vont changer de société. Et c'est ce sur quoi nous allons pouvoir capitaliser dessus. Donc les quelques chiffres que vous nous avez annoncés sont assez impressionnants et nous pouvons percevoir qu'il y a tout un écosystème autour de LinkedIn et cet écosystème semble vraiment orienté business. Renaud et Ludovic nous l'évoquaient tout à l'heure que les enjeux du groupe BPCE mais aussi de la Banque Populaire Rive de Paris étaient entre autres de capitaliser sur l'utilisation de la data pour croître le business de l'entreprise mais aussi l'efficacité opérationnelle de ses collaborateurs. Quel constat faites-vous sur l'évolution de ce paysage commercial en général et comment positionnez-vous par rapport à ces constats ? Cette question sur l'évolution du paysage commercial est très intéressante. Alors, je vais partager un slide qui puisse bien illustrer mon propos. Et finalement, ce qui va nous permettre de nous rendre compte d'une chose intéressante si on regarde rétrospectivement. À l'époque, finalement, de nos grands-parents, les commerciaux avaient des relations finalement commerciales face à face, ou on peut appeler ça le porte-à-porte. Ces relations commerciales avaient un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'ils pouvaient créer cette intimité beaucoup plus facilement avec chacun de leurs clients et renforcer vraiment la qualité de la relation. L'inconvénient, c'est qu'en une seule journée, ils ne pouvaient pas aller voir beaucoup plus qu'une dizaine de clients ou de prospects. Est arrivé ensuite, dans les années 90, un premier cycle d'innovation ou de disruption technologique avec l'arrivée des emails, donc l'automatisation des messages. Ce qui amène également un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que le commercial ou le chargé d'affaires peut être beaucoup plus efficace. En un message, il va pouvoir toucher 10,
peut-être 50, 100, peut-être même des milliers de personnes. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, la teneur de ce message va beaucoup perdre en impact puisque ça va devenir générique. Et donc, le taux de retour va aussi être de plus en plus faible. Est arrivé un troisième cycle d'innovation, il y a très peu de temps finalement, qu'on va appeler la création de relations à grande échelle. Alors, si je vous donne le nom de quelques sociétés pour illustrer mon propos, ça va être beaucoup plus parlant. Si je vous parle de Netflix, de Spotify, ou si je vous parle dans l'univers bancaire de N26 ou de Revolut, le point commun de ces sociétés, c'est que finalement, on va pouvoir prendre le meilleur des deux mondes précédents, c'est-à-dire la qualité de la relation et l'intimité quelque part créée client dans ce cycle qui était le face-à-face, tout en étant capable d'être efficace et de pouvoir contacter plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes au même moment. Et donc, c'est finalement ce que nous proposent ces marques dont je vous ai parlé. Donc, un deuxième enjeu important, c'est finalement l'attitude commerciale ou ce qu'on va attendre d'un commercial aujourd'hui en 2021 par rapport à il y a quelques années. Et ça a radicalement changé. Les commerciaux aujourd'hui sont finalement mal perçus s'ils sont trop vendeurs. Et ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est trois chiffres que vous avez ici sous les yeux. Le premier, c'est les 3% de taux de retour. Ça, c'est le taux de retour en France en 2020 pour tous les commerciaux qui envoient des mails, donc de prospection. Sur 100 mails envoyés, le taux de retour est de 3%. Donc, intéressant déjà de voir l'aspect chronophage de la préparation de ces 100 mails pour finalement le si peu de retour. Mais je vous invite aussi à réfléchir aux 97% des messages qui n'ont pas donné lieu à un retour. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que la personne à qui on l'a envoyé peut-être ne l'a pas reçu? Peut-être qu'elle a été mal interprétée ce message? Elle a peut-être compris que vous ne l'aviez pas compris ou que vous aviez tout simplement voulu envoyer des copier-coller génériques et peut-être que vous avez endommagé votre image de marque. En tout cas, c'est les bonnes questions à se poser. Deuxième élément que je trouve intéressant, c'est le nombre de tentatives qu'il faut en 2020 pour réussir à joindre un décideur. Réussir à le joindre, ça veut dire prendre un rendez-vous avec lui. Il en faut 9 tentatives en 2020 et 2 ans auparavant, en 2018, il en fallait 5 de tentatives. Donc ça veut dire que de manière exponentielle, plus les années vont passer, plus nos cibles, les décideurs qu'on va essayer de joindre, il va nous falloir dépenser de plus en plus d'énergie pour décrocher ce rendez-vous. Et enfin, troisième chiffre important, c'est cette idée de productivité commerciale. Aujourd'hui, sur 100% du temps de parole, du temps de travail d'un chargé d'affaires ou d'un commercial, seul 36% de son temps sera dédié à la génération de business. Donc, prenons pas de recul sur ces trois chiffres. Ma conclusion est simple. Être un commercial ou un chargé d'affaires en 2021 n'est pas chose aisée. Non seulement nos clients nous répondent de moins en moins, en plus de ça, il nous faut décupler nos efforts pour pouvoir obtenir ce rendez-vous, alors qu'on se rend compte que le temps que nous pouvons allouer à la génération de business est extrêmement limité. Donc, ce qui m'amène à finalement un troisième constat que je trouve extrêmement intéressant, puisque une pandémie nous a tous pris de court il y a quelques mois, presque un an maintenant, et nous avons du coup été forcés de repenser notre manière de travailler, notre manière de faire vivre la relation avec nos clients et nos prospects. On a dû se mettre à finalement faire de notre quotidien un quotidien virtuel, donc de vendre virtuellement ou d'animer la relation qu'on a avec nos clients virtuellement. Et ce que vous pouvez voir, cette citation ici que je trouve pertinente, c'est que cette vente à distance va demander un important effort d'adaptation pour chacun d'entre nous. Et finalement, les commerciaux qui vont le mieux s'en sortir, finalement, c'est ceux qui vont s'adapter rapidement et très vite apprendre à nouer des relations via les canaux numériques et diversifier. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, LinkedIn apparaît comme une bonne alternative pour pallier au manque de rendez-vous commerciaux physiques, pour garder du lien dans la durée, tout en étant chez soi. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'un chiffre intéressant, en mars et en avril dernier, les commerciaux, l'ensemble des commerciaux en France se sont concentrés ou intéressés aux formations justement dédiées au modern selling ou au social selling sur notre plateforme. Et donc, il y a une évolution de 93% en avril dernier sur ce type de thématique. Tous ces chiffres nous confirment que le paysage commercial a effectivement changé.
Dans ce contexte, j'imagine que vous aussi, vous avez dû vous adapter, notamment pour être en mesure de proposer à vos clients des outils ou services dédiés, leur permettant de capitaliser sur toutes les données présentes sur votre plateforme, non ? Absolument, Lucie. Vous avez raison, LinkedIn a dû aussi s'adapter à ce changement finalement de paradigme pour les commerciaux et essayer finalement de rendre cette richesse de données exploitable pour les commerciaux. Donc comment ça marche ? C'est très simple. LinkedIn a créé une version vraiment dédiée à l'usage commercial qui s'appelle le Sales Navigator et qui va permettre pour les, si je reprends l'exemple des 21 millions de Français, qui va permettre finalement de faire trois choses. C'est très simple. Premier élément, ciblé. Sur les 21 millions de Français, on souhaite cibler les sociétés qui vont nous être pertinentes d'un point de vue business. Une fois qu'on les a ciblées, l'idée, ça va être de pouvoir cartographier le compte, de savoir donc qui prend les bonnes décisions, qui je dois avoir sous mon radar, entre guillemets, pour pouvoir prendre rendez-vous avec lui ou en tout cas recevoir des alertes dès que cette personne va faire une action significative sur LinkedIn. Une fois qu'on a ciblé, l'idée, c'est de comprendre. Comprendre, ça veut dire plusieurs choses. Comprendre déjà qui prend les décisions, je viens de l'expliquer, donc c'est une sorte de cartographie. Comprendre aussi ce qui va être important pour une société aujourd'hui, s'ils participent à un événement, s'ils ont été mentionnés dans la presse, s'ils ont gagné un prix, etc. Comprendre, ça veut aussi dire être capable de voir ce qui va intéresser notre interlocuteur, notre décideur. Quels sont ses centres d'intérêt ? Qu'est-ce qu'il a partagé récemment ? Avec qui il est connecté sur LinkedIn avec, en termes de connexion en commun avec moi ? L'idée, finalement, in fine, de toute cette solution LinkedIn, c'est de pouvoir, une fois qu'on a ciblé la bonne société et les bons interlocuteurs au sein du compte, qu'on a compris ce qui pouvait être important pour eux, l'idée, c'est de pouvoir interagir. Donc, d'entrer en relation avec eux, soit via le canal de communication LinkedIn, soit à travers des signaux faibles, comme les commentaires, les likes ou le partage de contenu. Mais le but absolu, on va dire, de cette dimension LinkedIn ou de cette approche commerciale, c'est de pouvoir finalement passer de cette méthode qui était beaucoup plus quantitative à l'époque à une méthode qualitative, où en fait on cherche non plus à contacter 100 prospects en envoyant des mails génériques parce qu'on sait qu'on aura un retour très faible, on va peut-être se concentrer sur beaucoup moins, peut-être une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, mais la philosophie derrière c'est de pouvoir se contacter la bonne personne au bon moment et avec le bon message. Donc comment ça fonctionne concrètement ? Et surtout pour qui ça peut être utile, je vais vous donner quelques exemples. La première typologie d'utilisateurs de cette solution vont être les chargés d'affaires ou les commerciaux en charge de la conquête de nouveaux clients. Évidemment, aller chercher sur LinkedIn très rapidement toutes les entreprises dans un secteur d'activité donné, dans une zone géographique précise, et d'avoir cette liste, ça va simplifier ce travail de recherche et de conquête. Le fait d'avoir également la possibilité d'envoyer directement un message au président, au directeur général ou à tout décideur, sans qu'il y ait forcément de secrétaire ou d'assistante personnelle qui soit là pour filtrer, va aussi énormément aider à la conquête. Mais il y a une deuxième typologie d'utilisateurs commerciaux qui vont utiliser cette solution, qui vont être les account managers. Les chargés d'affaires ou les commerciaux en charge de la relation avec des clients existants et qui ont pour but de soit pérenniser cette relation, soit de faire de l'upsell ou du cross-sell. Et cet outil va être extrêmement pertinent aussi puisqu'ils auront un véritable cockpit quelque part où tous leurs comptes clés seront référencés et ils vont pouvoir recevoir des alertes dès qu'un décideur important ou qu'une société va faire une action significative sur LinkedIn pour qu'ils puissent être au courant et très vite intervenir. Et enfin, il y a cette troisième dimension d'hyper-personnalisation, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous sur LinkedIn, en engageant avec un décideur, le premier réflexe de ce décideur en recevant votre message, ça va être d'aller voir votre profil. Donc, on aura bien pris soin au préalable d'avoir un profil qui inspire confiance, crédibilité, qui puisse aussi vraiment voir toute l'expertise que je peux apporter à mes clients. Et en plus de ce profil, je vais tout faire pour que dans cette première approche, ce premier message, je montre à la personne que je cherche à joindre que j'ai fait ce petit travail de recherche et que j'ai envoyé un message personnalisé. Et c'est finalement ces deux dimensions, la personnalisation du message et cette image de marque ou cette perception d'expert dans mon domaine qui vont vraiment m'aider dès les toutes premières interactions à interagir dans la confiance. Voilà un petit peu cette descriptif de ce que peut faire LinkedIn pour les fonctions commerciales.
Merci Jean pour ce regard très intéressant qui nous confirme que la donnée est partout et quel que soit l'endroit où elle se trouve, nous pouvons en tirer de la valeur. Cela nous conforte également sur l'ensemble des réflexions que nous avons à la Banque Populaire Île de Paris pour identifier ces cas d'usage concrets et variés qui permettent, entre autres, de servir notre ambition commerciale. Merci à tous les trois. Pour l'ensemble des informations communiquées lors de ce JT, nous espérons que ça vous a apporté un éclairage sur la donnée. Comme l'a annoncé Renaud tout à l'heure, nous comptons sur vous pour répondre au baromètre BaroData, qui est le support essentiel pour le lancement d'un dispositif d'acculturation personnalisé. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau JT consacré cette fois-ci aux startups et aux entreprises innovantes. N'oubliez pas, dès demain, vous pourrez participer au quiz dédié de la Digital et Data Week et tenter de gagner de nombreux lots. À demain !